Donc, premier job, tu es au sein du groupe AXA, des grands amis du club. Donc, tu faisais quoi? C'était une belle aventure et tu as rencontré de belles personnes. Ah oui, parce que mon premier job, c'était d'abord mon premier stage. Sorti d'école, j'ai fait mon stage de 6 mois de fin d'études. Et j'ai eu la chance d'être pris sous les ailes d'un certain Jean-Pierre Bégonlourd, anciennement président directeur général d'Axiva, une filiale du groupe AXA. Une start-up déjà de son époque, puisque c'était une structure... Qui innovait dans les produits d'assurance emprunteur, enfin globalement, pardon, l'assurance globale et également dans la partie innovation technologique. J'ai travaillé à ses côtés pendant près de 10 ans. J'ai eu la chance de même faire partie de son conseil d'administration. Et un peu la petite story, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu inversé la tendance, puisqu'il fait partie de mon conseil d'administration. Oh là là, c'est bien et, ça. Et il a investi dans Assurly et que je remercie, j'en profite, parce que ses conseils sont vraiment précieux. Et donc, ensuite, j'avais quitté le groupe AXA pour... 6 ans au sein de la Générale, c'est ça? Oui, j'ai quitté le groupe justement pour créer ma propre société et porter des projets réglementaires. Alors, j'avais la connaissance du marché de l'assurance. Alors, je n'étais pas dans une petite société, puisque ça restait quand même une multinationale de l'assurance. Et bien, j'avais envie de tester une autre multinationale, mais de la banque. Et j'avais travaillé pour la Société Générale, où j'ai porté des projets... Alors ça va être un peu barbant quand je vous le dis, c'est des projets réglementaires, solvency, lutte anti-blanchiment, c'est des projets de transformation numérique. Et c'est là d'ailleurs où j'ai eu la chance de rencontrer mon cofondateur, Michael Benassen. Il est où Michael? Voilà, Michael, qui pose des bonnes questions sur les crypto-monnaies. Là. Il a l'air très, très motivé par le sujet. Alors, Assurly, donc création, c'était en 2013, 2017? C'est fin 2017. Alors, l'histoire même parle de la société qu'on avait créée, s'appelait Gigamesh, et non pas Assurly. Alors Gigamesh, ça fait une transition par rapport au sujet, l'excellent débat qu'on a eu tout à l'heure. Puisqu'à l'origine, le réseau Mesh, c'est le réseau de la blockchain. Et on voulait vraiment essayer de faire rentrer la blockchain dans l'assurance. C'était un peu tôt, clairement, parce qu'on n'était pas prêt là-dessus et la réglementation n'était pas prête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2018, pendant qu'on était en train de débriefer dans mon salon avec Michael, sur BFM en live... Presque aussi bien que B2Business Radio, presque aussi bien. Et il y avait le sénateur Bourquin qui était en train de l'annoncer un peu l'ouverture du marché de l'assurance emprunteur avec l'amendement Bourquin. Et là, j'ai dit à Michael, on stoppe. On fonce quoi. L'assurance emprunteur, il faut y aller. C'est un marché détenu à 90% par des banques assureurs, assez traditionnel. Et il fallait absolument innover par de l'innovation numérique, par de la transparence, par des tarifs hyper compétitifs. Et là, on a travaillé plus de 2 ans à R&D parce que l'exploit, ça je vous le partage parce que vraiment c'est ça l'exploit, c'est j'avais l'expérience des banques assureurs, j'avais l'expérience des sociétés d'une certaine taille qui ont peut-être un seul défaut, on peut le dire, ça s'appelle la dette technique. Globalement, lorsqu'on a des systèmes qui sont assez énormes, globalement, on perd un peu cette agilité. Et on ne voulait surtout pas ça pour Assurly. Et on a créé un système, ce qu'on appelle dans le jargon « from scratch », c'est-à-dire qu'on part de zéro, de la feuille blanche. Un peu l'approche d'Elon Musk lorsqu'il met tout sur la table en disant « il faut qu'on part de la base ». Et qu'on crée un système. Et comment tu as financé tout ça? Alors, vous aviez un petit peu d'économie avec Michael? Ou alors tu allais voir des copains en disant j'ai un super projet, mais t'es un petit peu de rond? Ben, tout d'abord, on a d'abord financé par nos propres rangs, effectivement, parce que moi j'avais mis un peu de sous de côté, j'avais déjà prévu ce projet, j'avais prévu de pouvoir créer une structure où on sera indépendant. On aurait pu lever des fonds sur 3 slides et puis se retrouver majoritairement dominé par des fonds. Et on a fait le choix inverse, c'était de chercher nous-mêmes avec nos propres fonds, avec de la love money également, avec certains membres du conseil d'administration qui nous ont rejoints et qui ont aussi investi. Donc ça a fait combien au total? 2 millions? Et l'équivalent d'à peu près 2 millions d'euros. 2 millions quoi. Alors la baseline, le slogan, c'est sympa, tu parles de transparence, de compétitivité. La simplicité, la transparence et l'hypercompétitivité. Alors nous, notre signature chez Assurly, c'est reprenez le pouvoir. Je parlais tout à l'heure avec Madame la Ministre, parce que c'est clairement, lorsqu'on a lancé ce projet, on voulait absolument donner du pouvoir d'achat aux Français. Et d'ailleurs, pour un petit clin d'œil, on a plusieurs milliers de clients et la moyenne de gain de pouvoir d'achat chez nous, c'est 57% de gain de pouvoir d'achat. 57%, donc ça veut dire qu'avant, les autres assureurs se gavaient.
Je ne dirais pas ça. Je dirais juste qu'on est meilleur. Si, 57%, ils se gavaient bien, non ? Je dirais juste qu'on est meilleur. Et toi, il te reste combien de marge ? Parce que 57%, ça, on a compris. Et toi ? Oh, on a suffisamment de marge, croyez-moi. Ah, mais combien ? Aujourd'hui, on est sur des marges de 25% hein, tout en ayant... Ah, mais donc ils se gavaient énormément, alors c'était... Ben, en fait, il y a vraiment l'innovation technologique qui joue énormément. Alors, je vais peut-être faire un petit clin d'œil à mon cofondateur, Michael, parce que l'idée aussi vient de lui. Lorsqu'on a créé le produit, on l'a créé avec un moteur de calcul. Vous savez, c'est... S'il vous plaît, merci. On appelle ça un moteur de calcul, de sinistralité prédictive. Ça fait un peu... Ça fait un peu science-fiction. Et d'ailleurs, on l'a baptisé Agatha. Agatha, c'est quoi ? Alors, pour les cinéphiles, c'est le troisième Prégog dans Minority Report. Vous savez, film avec Tom Cruise. Bon, dans le film, il prévoyait les crimes futurs. Mais on n'est pas là. Nous, on prévoit le sinistre futur. Et c'est notre force, la data qu'on appelle l'or du 21e siècle. C'est ce qu'on utilise pour estimer les sinistres futurs. Et c'est ce qui fait globalement qu'on arrive à avoir des tarifs deux fois moins chers. Et globalement, récemment d'ailleurs, la loi Lemoine qui a ouvert le marché de l'assurance emprunteur au 1er juin, on a des pics aujourd'hui de croissance de plus de 300% parce qu'on apporte ce pouvoir d'achat en 3 minutes. Les clients arrivent à faire gagner. Et alors, les assureurs classiques, ils te regardent comment ? Comme le vilain canard ? Comme une boîte qu'ils vont bientôt racheter parce que comme ça... Ils récupéreront une petite partie de la marge. Ils t'aiment ou ils te détestent ? Je ne sais pas s'ils m'aiment ou s'ils me détestent. S'ils ont fait plusieurs tentatives de rachat, alors est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour ? Ou alors est-ce qu'on appelle ça de la haine ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a eu plusieurs tentatives qu'on a refusées et qu'on a vraiment l'ambition de... Pour l'instant, ouais. La boîte est valorisée combien ? Aujourd'hui, la boîte est valorisée près de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il y a un deuxième tour de table qui est en cours. Hein, on est sur un deuxième tour de table. Alors, il reste encore un peu de place. Et l'objectif, c'est vraiment de créer l'Insurtech. Non pas, encore une fois, à notre périmètre. On avait une vision un peu à l'américaine. Hein. On n'est pas sur un périmètre uniquement France. On est sur un périmètre objectif, devenir compagnie d'assurance et exercer dans toute la communauté européenne. D'ailleurs, juste un petit clin d'œil, parce qu'on a eu la chance d'être invité au Meta Week de Dubaï, hein, c'était presque aussi bien que chez nous. C'était presque aussi bien. C'était où on a présenté notre produit et aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on est souvent râleur en France, on se dit voilà, on est peut-être un peu trop exigeant, mais il faut savoir que notre système et notre modèle est une référence, en tout cas au Moyen-Orient, et qu'on a été sollicité d'ailleurs par des banques locales pour essayer d'imaginer un produit adapté à leur système et leur mode de fonctionnement. Et ça, c'est assez énorme parce que la réglementation et la rigueur à la française s'exportent. Et la preuve, elle est appréciée. Et aujourd'hui, on travaille également avec ces acteurs pour essayer d'imaginer peut-être un produit français sur cette région. Ça serait bien, quoi. Quel est ton chiffre d'affaires et ta marge ? Dans la marge, on a compris, mais les chiffres d'affaires ? Aujourd'hui, on ne communique pas encore hein, sur la partie chiffre d'affaires. Ah non, tu ne communiques pas, soit parce que c'est très mauvais, soit c'est parce que c'est très bon. Est-ce que tu gagnes beaucoup de pognon ou est-ce que tu en perds beaucoup ? Alors, dis-nous. Alors, une Insurtech ou une start-up qui gagne beaucoup de pognon alors qu'elle a sorti son produit il y a 9 mois, c'est que globalement, elle n'offre pas beaucoup de services et qu'elle fait beaucoup de marge. Donc, ce n'est pas l'objectif. Qu'est-ce que tu as comme concurrent ? Aujourd'hui, nos concurrents, je ne vais pas les citer, le marché de l'assurance emprunteur, c'est, je pense que tout le monde ici peut-être a un crédit immobilier. Le crédit immobilier, quand on prend un crédit, on prend son assurance chez sa banque. Aujourd'hui, 90% du marché de l'assurance emprunteur est détenu par les banques assureurs. Et 60% par 3 acteurs. Ça reste quand même dans une autre époque. Et nos concurrents aujourd'hui, c'est ça. Mais j'irai plus loin. Nos concurrents ne sont pas dans cette salle, ni même dans la région, ni même dans le pays. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Nos concurrents vont demain arriver. Ils s'appelleront Tesla Insurance. Ça va être Google Compare. Ça va être Amazon. Et eux, ils arrivent avec des fonds. Ils arrivent avec une force financière, de la data, de la tech. Alors nous, on a la chance. On a la même innovation, la même tech qu'eux. On n'a pas encore les milliards qu'ils ont. Mais globalement, aujourd'hui, les concurrents, c'est ceux-là qui vont arriver sur le marché. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, on a été contactés justement par ces sociétés pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Voilà, donc la concurrence, elle est non pas régionale ou européenne, mondiale. Et alors, tu as combien de collaborateurs aujourd'hui ? Vous êtes 25 dans la boîte, c'est ça ? Alors oui, on est 25 dans l'équipe. Et tu arrives à trouver des talents, des gens, des salariés sympas, souriants, compétents, motivés, fidèles et pas trop chers ?
Alors, fidèle, sinon, pas trop cher. Il y a Préville qui peut trouver les bonnes personnes. C'est, alors, les... on a des valeurs d'aujourd'hui dans Assurly, c'est que tous les collaborateurs qui nous ont rejoints sont aussi actionnaires de l'entreprise. Donc, ah, ça, c'est bien, ils ont ce qu'on appelle des bandes de souscription d'actions, ils sont actionnaires. C'est le fan club de Thibault Langsade, voilà, alors. Hein. Exactement. Ouais. Ce qui fait que, globalement, ils sont vraiment intéressés dès le premier jour quand ils rentrent dans l'entreprise. Et puis, il y a un élément aussi qui les attire tous, c'est un peu ce côté David contre Goliath, parce qu'il faut quand même imaginer... Il ne faut pas être fou, mais il faut être barjo pour pouvoir s'attaquer à un marché dominé par des mastodontes qui sont quand même bien installés depuis des décennies. Et ça, ce côté challenge, ce côté défi, c'est vraiment le point commun qu'il y a entre tous les collaborateurs. Et c'est super excitant tous les jours, à chaque fois. Alors, j'aime bien, je vais redire un peu l'expression de mon customer success qui est en charge des clients. Il me dit, j'ai jamais autant été excité par un projet parce que tous les jours, j'ai des clients qui sont heureux au téléphone parce qu'ils me disent, c'est génial, vous venez de me faire gagner un pouvoir d'achat. Merci beaucoup. Et ça, c'est... T'as pas envie justement de réduire un peu le pouvoir d'achat pour augmenter ta marge quand il dit ça, le monsieur, non ? Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Vraiment, l'objectif, c'est de se positionner, donner la confiance. Et puis, il ne s'agit pas simplement de se positionner sur les tarifs, parce que la next step, elle n'est pas... j'aime bien donner cet exemple aussi. Aujourd'hui, le produit d'assurance emprunteur, crédit immobilier, c'est un crédit qui a une durée moyenne de 10 ans. Et c'est... l'objectif, c'est de pouvoir créer des services dans ce marché-là. Absolument. Parce que vous payez votre prime. Moi, je donne cette image. C'est comme si vous avez un abonnement Netflix pendant 10 ans et vous avez un écran noir. En fait, l'exemple, il est là. C'est que vous payez une assurance pendant 10 ans et que si le sinistre provient, ben, l'assureur intervient. Sinon, vous auriez payé à fond perdu. Et c'est là où Assurly va arriver en créant des services, pouvoir apporter du bien-être, pouvoir redonner du cashback pour les clients qui marchent beaucoup, qui font du sport. Parce que plus ils font du sport, plus ils réduisent le risque. Et plus ils réduisent les risques, pourquoi ne pas partager Absolument. Notre marge ? Donc, c'est Donc relation tu es agile et orienté client à mort. Quoi. Et demain, les services, il y aura quoi dans l'offre ? Parce que tu ne vas pas t'arrêter là, on a bien compris quand même. Hein. Bah aujourd'hui, c'est vraiment étendre l'offre au bien-être. Alors, on en parlait tout à l'heure du comptage de pain. Au mois de décembre, on a fait un test avec un certain nombre de nos clients. On a tout de suite arrêté puisqu'on a eu des journalistes que je ne citerai pas qui nous ont tout de suite... Alors, je vais citer, c'est le Figaro. Nous ont sorti un article en disant « ça y est, les assureurs commencent à faire la différence sur la tarification sur les pas », alors que nous, on avait fait un test. L'idée, ce n'est pas de changer les tarifs, c'est de redonner du cashback. Et donc, l'idée, c'est de dire bah, « vous êtes fumeur, si vous arrêtez de fumer, on vous rend du cashback. Vous voulez faire du sport, vous marchez, eh bien, on vous rend du cashback. » Parce que la position d'un assureur du 21e siècle, ce n'est pas uniquement se positionner et rembourser des sinistres, c'est accompagner le bien-être du client pour réduire le risque. Et être agile. Quoi. Alors, toi qui adores la Formule 1, ton meilleur souvenir de course, quel est-il ? Ah, ça c'est génial. Le meilleur souvenir de course, c'est le Grand Prix de Hongrie. Alors ça, c'est très important parce que je peux raconter un peu l'anecdote parce que ça montre clairement à quel point l'innovation technologique est à la pointe. Vous aviez Hamilton, alors pour tous les fans, Hamilton qui était en deuxième position, qui essayait toujours de doubler Vettel qui était devant lui, mais c'était impossible, impossible. Et puis, à un moment donné, il reçoit un message de ses ingénieurs en lui disant « box, 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 il faut rentrer, changer ses pneus ». Il dit « mais c'est de la folie, lui, il ne change pas de pneus devant, moi, si je change, je vais prendre 30 secondes ». Il dit « fais-nous confiance, la data nous dit qu'à 3 tours de la fin, tu seras juste derrière lui, sauf que tu auras des pneus frais et tu vas pouvoir le doubler ». Il leur a dit « c'est de la folie, mais je vous suis ». Et en fait, il y a 200 ingénieurs chez Mercedes qui travaillent sur, à chaque fois qu'il y a une course, ils ont simplement le côté data-driven. C'est la data qui nous aide c'est à prendre des décisions. C'est un peu la crypto-monnaie de la Formule 1, comme tout à l'heure Babacar nous racontait. Quoi. C'est fou, ça. C'est et alors, ça. Le dernier bouquin d'Obama, tu l'as apprécié ? J'adore. C'est un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui a essayé de bouger les choses. J'avais lu récemment sa biographie. Et c'est quelqu'un que je porte beaucoup en estime. Ouais. Qu'est-ce qui te fait marrer le plus dans ce que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui ? Le côté impossible. C'est la fameuse phrase, si on nous avait dit que c'était impossible, on ne l'aurait peut-être pas fait, mais c'est vraiment ce côté-là. On s'est retrouvé aujourd'hui à se positionner. Lorsqu'on a lancé ce projet, encore une fois, on nous a pris pour des fous et des barjots, parce que c'est plus facile de créer aujourd'hui une start-up pour travailler avec les gros acteurs du marché que de créer une start-up pour être face à eux. Et clairement, à chaque fois qu'on s'est retrouvé, on nous a dit « mais ce n'est pas possible ce que vous êtes en train de faire ». Et on a eu des dizaines et des dizaines d'obstacles et qu'à chaque fois qu'on a franchi, c'est jouissif parce que c'est ce côté challenge. Et je pense que
tu es un entrepreneur aussi, et tu le sais, c'est ce côté challenge à chaque fois qui nous booste et qui est notre adrénaline. Olivier, est-ce que tu es client d'Assurly? Pas encore, demain matin probablement. Demain matin, 8h, mais monsieur bon. Guillaume. Dans une question, quand on entend 40 millions de valorisation, on imagine 400 personnes. Comment on a 40 millions de valos à 25? C'est trop d'ailleurs déjà, 25. C'est énorme, oui. Allez. Oui, on est 25, et on est 25, et en plus, notre force également, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a créé un système d'information, on a créé une compagnie d'assurance en fait, ce n'est pas juste une start-up, on a c'est-à-dire tous les métiers qui sont exigés dans une compagnie d'assurance, on est présent sur toute la chaîne de valeur, de la souscription jusqu'à la gestion de sinistre, et notre objectif est de déposer le dossier à la CPR à fin d'année ou début d'année prochaine, pour devenir compagnie d'assurance, et dans ces cas-là, on sera porteur de risque, et on pourra encore beaucoup plus bousculer certaines idées reçues aujourd'hui de l'assurance. Bon, il devait être génial, il était formidable, bravo Mickaël, bravo Toufik, et puis on les applaudit très chaleureusement. Assurly demain matin, 8h du matin.